السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Qui sont les Ahlul Bayt et pourquoi est-ce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'en font pas partie? Je vais commencer directement par les preuves que nous pouvons trouver dans le Coran Karim. Et si nous l'ouvrons à la sourate numéro 33, verset numéro 33, donc la sourate Al-Ahzab, je vais d'abord commencer par le verset 30 et je vais le lire jusqu'au verset 34. Ô femme du prophète, celle de vous qui commettrait une turpitude évidente aura son châtiment en double, cela est facile pour Dieu. Tandis que celle de vous qui obéit à Dieu et à son prophète et travaille bien, nous lui donnerons deux fois sa récompense et nous avons réservé pour elle un généreux don. Ô femme du prophète, vous n'êtes pas comme le commun des femmes, si vous êtes pieuse, n'affichez nullement d'humiliation dans votre langage. De peur que ne vous convoite quiconque a une maladie dans le cœur, parlez sur un ton qui convient. Restez dans vos maisons, ne vous exhibez pas comme le faisaient les femmes à la première époque de l'ignorance. Accomplissez la prière, donnez l'aumône, obéissez à Dieu et à son prophète. Dieu ne veut que vous évitez l'impureté, ô membres de la famille du prophète, et vous rendre pur excellemment. Rappelez-vous les versets de Dieu et la sagesse qui sont récités dans vos maisons. Dieu est bienveillant, gracieux, il connaît tout. Tout porte à croire que les versets que je viens de lire s'adressent aux femmes du prophète et uniquement aux femmes du prophète. Et nous pouvons le comprendre à travers cette terminaison-là, kunna, donc min kunna. Le kunna est un pronom possessif féminin pluriel. Quand on voit donc ce kunna à la fin d'un terme en arabe, on sait d'office qu'Allah Azzawajal s'adresse uniquement à des femmes. Et cette terminaison-là, elle est présente dans tous les versets. Ici, min kunna, par exemple. Un autre exemple, inni taqaytunna, d'accord. Donc il y a toujours le unna derrière. Encore une fois, buyutikunna. Et dans le dernier verset que j'ai cité, encore une fois, buyutikunna. Donc tous ces versets sont au féminin. Ce qui veut donc dire que tous ces versets concernent les épouses du prophète. Alors, où est-ce qu'on parle des Ahlul Bayt? Les Ahlul Bayt sont mentionnés ici, dans cette partie du verset, à partir de ce point-là, jusqu'à ce point-là. Et Allah Azzawajal dit, « Dieu ne veut que vous évitez l'impureté, ô membres de la famille du prophète, et vous rendre purs excellemment. » Le terme « membres de la famille du prophète » a été traduit de l'arabe « Ahlul Bayt ». Donc, là on peut dire très bien, Allah Azzawajal s'adresse aux épouses du prophète et les inclut dans les Ahlul Bayt, puisque cette partie de verset se confond avec tout le reste. Mais, il y a un petit détail auquel il faut prêter attention. J'avais dit que tous les versets étaient au féminin, sauf justement cette partie-ci. Cette partie-ci, elle est au masculin. En arabe, cette séparation se fait ici. À partir de là, jusque là. Et on peut lire Innama yuridullah liyudhiba ankum. C'est bien kum ici qui est utilisé et non pas kunna. Si cette partie de verset était encore au féminin, on aurait dit Innama yuridullah liyudhiba ankunna. D'accord? Rish ahlal bayt wa yutahhirakum. Encore une fois, tatahira. Ce qui veut dire que jusque-là, il y a au moins un homme qui est concerné par cette partie du verset qu'on appelle le verset de la pureté ou de la purification. Ça ne veut toujours pas dire que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exclues de ce statut-là. Non, toujours pas. La première preuve dans le Coran al-Karim qui les exclut de ce statut est la suivante. Ici, nous voyons que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète, il leur dit « وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا » et « restez dans vos maisons ». « Buyut » est le pluriel du terme « al-bayt ».« Buyutikunna » veut dire « vos maisons », donc au pluriel. Et quand je dis « vos », je ne désigne uniquement que des femmes, parce qu'il y a la terminaison « kunna » ici. Et nous savons très bien que chaque épouse avait sa propre maison. Or, si cette partie de verset ne concerne qu'une seule maison, alors on peut dire que les épouses du prophète ne sont pas toutes concernées par
le verset de la pureté. Jusque-là, c'est tout ce qu'on peut dire. Il est possible qu'une seule seulement soit concernée par le verset de la purification, car il n'y a qu'une seule maison qui est concernée. Mais n'oublions pas que la première règle que j'ai énoncée tout à l'heure est que cette partie de verset est aussi au masculin. Et nous savons très bien que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivaient seules dans leurs appartements. La preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait plusieurs appartements est ici dans la même sourate au verset numéro 53. Quand Allah azawajal dit « Croyant, n'entrez pas dans les maisons du prophète. »« Ya ayyuhalladina amanu, la tadkhulu buyut an-nabi. » Buyut au pluriel encore une fois. On peut encore très bien dire « Oui, mais peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs maisons dans lesquelles il habitait lui sans pour autant habiter avec ses épouses. » Non, détrompez-vous, ce sont bien les épouses qui possédaient leurs propres appartements. Et on peut le prouver à partir des hadiths comme celui qu'on peut trouver dans le Sahih al-Bukhari. Et c'est le Sahih al-Bukhari de l'édition An-Nur, le premier tome, au hadith numéro 355 que voici. Omar bin Abi Salam radiallahu anhu vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appartement de Salama, ce qui prouve que Salama avait son propre appartement. Nous pouvons trouver un deuxième hadith, toujours dans le Sahih al-Bukhari, mais le tome numéro 3 cette fois-ci, et c'est le hadith numéro 5430. Ici, dans une partie, un jour que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entra dans l'appartement de Aïcha. Ce qui veut dire que Aïcha avait également son propre appartement. Ce qui prouve, ce qui ne fait que confirmer, les paroles d'Allah, azza wa jal, lorsqu'il dit « Ne sortez pas de vos maisons, si restez dans vos maisons. » Donc vos maisons au pluriel féminin. Donc pour l'instant, deux preuves ou une preuve qui confirme l'autre. Non seulement le verset change du féminin au masculin, mais en plus il change du pluriel au singulier. C'est-à-dire que non seulement le verset de la purification ne concerne qu'une seule maison, mais en plus elle concerne une maison où vit au moins un homme. Et ce n'est pas le cas des maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La maison où vit au moins un homme est la maison de Fatima al-Zahra alayhi salam, et la maison de Ali alayhi salam. Et nous pouvons encore une fois le prouver dans le Sahih al-Bukhari de la même édition, dans le tome numéro 2 cette fois-ci, au hadith numéro 2613. Et ce hadith dit: Ibn Umar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la maison de Fatima, mais il n'y entra pas. Ali étant venu ensuite, Fatima lui raconta la chose. Ali en parla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ici, la preuve montre que Fatima et Ali alayhi salam vivaient dans la même maison, ce qui est tout à fait logique étant donné qu'ils sont mari et femme. Une deuxième preuve peut-être dans le même tome, au hadith numéro 2122, ici, Abu Huraira dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il s'assit sur le seuil de la demeure de Fatima et s'écria: Es-tu là, petit? Es-tu là, petit? Et la petite note numéro 37 que nous pouvons retrouver ici en bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait désigner Al-Hassan, fils de Fatima. C'est une preuve qui ne fait que confirmer qu'il y avait plusieurs hommes qui habitaient dans cette même maison. Et donc, obligatoirement, le verset de la purification ne s'adresse qu'à ces personnes-là, c'est-à-dire Ali, Fatima, Hassan ou Hussein, alayhi salam. La troisième preuve qui montre que les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne font pas partie de Ahlul Bayt est la suivante. Dans le Coran al-Karim, à la même sourate, la sourate numéro 33 donc, lisez bien le verset de la purification. Dieu ne veut que vous éviter l'impureté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a retiré l'impureté des membres de la famille du prophète, des Ahlul Bayt, c'est-à-dire qu'ils sont purs désormais, qu'ils ne commettent pas d'erreurs. C'est impossible pour eux de commettre la moindre des erreurs. Sinon,
il ne serait pas pur simplement, et vous rendre pur excellemment. Wayutahirukum tatahira. Si c'était wayutahirukum simplement, on aurait pu dire ok, c'est une pureté qui n'est pas absolue. Mais lorsqu'il y a wayutahirukum tatahira, cette insistance montre bien que c'est une pureté qui touche absolument tous les domaines. Et encore une fois, le verset numéro 30 de cette même sourate prouve bien que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent ne pas être pures et donc automatiquement ne sont pas concernées par cette partie de verset. Ici, ô femmes du prophète, celles de vous qui commettraient une turpitude évidente aura son châtiment en double. Cela montre bien que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas immunisées contre l'erreur. Elles peuvent commettre des turpitudes. Et c'est encore plus confirmé par la sourate At-Tahrim, qui est la sourate numéro 66, où nous pouvons lire: quand le prophète confia un secret à une de ses épouses, mais elle en fit part à une autre, Dieu en avisa le prophète. Le prophète fit connaître à son épouse une partie de ce qu'il savait et passa l'autre partie sous silence. Quand il lui fit savoir, elle demanda: qui t'a informé? Le prophète dit: l'omniscient, celui qui connaît tout, m'a avisé de cela. Si vous revenez toutes deux repentantes à Dieu, donc si vous vous repentez à Dieu, c'est bien pour vous, parce que vos cœurs se sont dévoyés. À ce moment-là, lors de ces faits, les cœurs des épouses qui sont concernées par le verset se sont déviés du droit chemin, se sont dévoyés. Mais si vous vous prêtez assistance contre lui, donc contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a Dieu pour protecteur, et Gabriel, et les croyants vertueux, et les anges de surcroît pour aide. Bien, maintenant, je vais vous montrer les narrations qui montrent explicitement qui sont les Ahlul Bayt, alayhum salam, d'une part, et d'autre part, qui prouvent que les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'en font pas partie. Nous allons faire appel au Sahih Muslim, de l'édition Al-Hadith, c'est le cinquième tome, la traduction français-arabe ou arabe-français, le hadith numéro 6221. C'est un hadith qui est rapporté par Aïcha. Un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vêtu d'un manteau comportant des motifs de sel fait en poils noirs. Al-Hassan ibn Ali, donc le fils de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, arriva et le mit à l'intérieur du manteau. Ensuite, Al-Hussein, donc le frère d'Al-Hassan, vint et il entra avec lui. Puis ce fut le tour de Fatima et il l'a mis également sous son manteau. Ali se présenta ensuite et il le fit entrer sous le manteau. Puis il dit: Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison, et vous purifier pleinement. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsi ahlil bayt wa yutahhirukum tatheera. C'est à ce moment-là d'ailleurs, nous voyons bien à côté de la petite note, donc c'est bien le Coran Al-Ahzab, le sourate numéro 33, celle que je vous ai lue tout à l'heure. C'est à ce moment-là que cette sourate a été révélée et descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le prophète a explicitement désigné qui sont les Ahlul Bayt et a explicitement montré à travers cette narration que quatre personnes seulement sont concernées par le statut des Ahlul Bayt. Et ces quatre personnes sont Ali, Fatima, Hassan et Hussein alayhum salam. Ce qui ne fait qu'aller dans le sens du Qur'an al-Karim, bien évidemment. Alors, un autre hadith que je peux vous montrer un peu avant, qui est le 6228, juste ici, qui est rapporté par Zayd ibn Arqam. Et une partie du hadith dit: nous demandâmes alors qui sont les gens de sa maison, les Ahlul Bayt, ses épouses. Il répondit: non, par Allah, il arrive que la femme demeure un certain temps avec l'homme, puis qu'il la répudie et elle retourne chez son père et les siens. Les gens de sa maison sont ses ascendants et ses proches qui n'ont pas droit à l'aumône après sa mort. Donc là, il est clair et net et précis que les épouses du prophète sont exclues de ce statut. Elles ont néanmoins leur propre statut, qu'on appelle les mères des croyants. Et c'est dans le Sahih Muslim, ce n'est pas n'importe quelle référence. Je vais vous montrer, Inch'Allah, encore une preuve qu'on peut trouver dans le Jami' al-Tirmidhi de l'édition Darus Salam. C'est le volume numéro 5 et c'est la traduction anglais-arabe. Dans le hadith numéro 3205,
juste là. C'est un hadith qui est rapporté par Omar bin Abi Salama, radiallahu anhu. Et il dit, when these ayats were revealed to the Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi, Allah only wishes to remove the rishs from you, all members of the family, and to purify you with a Torah of purification in the home of Salama. Donc, ce verset a été révélé dans la maison de Salama. He called for Fatima, Hassan, Hussein, and wrapped them with a cloak, and Ali was behind him. So he wrapped him in the cloak. Then he said, O Allah, these are the people of my house, so remove the rish from them and purify them with a froth purification. So Salama said, and I, Prophet of Allah. He said, you are in your place, and you are upon goodness. C'est un hadith sahih. Non seulement ce verset a été révélé dans la maison de Salama, et cette scène avec le manteau s'est produite dans la maison de Salama. Mais en plus, Salama a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa alayhi pour savoir si elle aussi pouvait faire partie d'Ahlul Bayt. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, non, toi tu restes à ta place et tu es bien là où tu es. Cela confirme que les femmes du prophète ont un autre statut que celui d'Ahlul Bayt. Elles ne peuvent pas en faire partie, simplement car elles ne sont pas assujettis et ne sont pas exemptés de faire des erreurs. Bien. Nous avons donc réussi à prouver par le Sahih Muslim, par le Jami' al-Tirmidhi, par le Sahih al-Bukhari et par le Qur'an al-Karim que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne font pas partie des Ahlul Bayt, mais que cependant elles avaient leur propre place. La question à se poser désormais, les Ahlul Bayt alayhum salam, qui sont donc Ali, Fatima, Hassan et Hussein, pourquoi ont-ils été désignés par Allah Azza wa Jal? Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour mériter cette désignation-là? Je veux dire, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait d'autres enfants. Il n'avait pas que Fatima alayhi salam. Et pourtant, c'est elle qui a été désignée pour faire partie de Ahlul Bayt. C'est sur elle qu'est descendue la purification. Et croyez-moi que c'est un statut qui ne peut pas être accordé à des personnes simples, à des personnes qui ont de simples mérites, qui font simplement les choses. Non. À travers la vie de Ali, de Fatima, de Hassan et de Hussein, nous nous rendons compte en lisant leur biographie, en lisant les narrations, qu'ils ont pleinement mérité ce statut-là. Que ce qu'ils ont accompli dans leur vie n'a été accompli par aucun autre compagnon, aucun autre musulman, mis à part le prophète, évidemment, sallallahu alayhi wa alayhi. Car si la purification serait descendue sur la fille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, rien que parce qu'elle est la fille du prophète, alors il y a favoritisme. Alors on peut dire, astaghfirullah, que Dieu a préféré choisir sans aucune raison Fatima alayhi salam aux autres filles du prophète. Non, évidemment ce n'est pas possible. Donc il y a des raisons qui ont fait que Ali, Fatima, Hassan et Hussein ont été choisis pour ce statut-là. Et ces raisons, je vais les décortiquer, incha'Allah, lors de la prochaine vidéo. As-salatu was-salam ala al-nabi wa ala ali baytihi at-tahirin. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que nous disons ahli baytihi at-tahirin, les gens de sa famille, les purifiés. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un statut qui est plus grand que ce que les Ahlul Bayt méritent. C'est simplement Qur'an al-Karim qui dit que ces personnes-là sont tahirin. Merci d'avoir suivi. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد